turtle tongue now, a lot of tail later. Salut à tous et à toutes, c'est Naïs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Retour vers le passé sur Alex Kidd. On s'était quitté au niveau d'un château de couleur bleue. Ouais, on parlait ça comme ça. Donc, je sais pas pourquoi ce niveau ça sent la fin, mais je pense que je suis en train de me troll tout seul et que c'est pas la fin. Donc j'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Si c'est le cas, continuez à liker mes vidéos sur cette série, ça fait plaisir. Au moins ça me donne envie de continuer et ça prouve que ça vous plaît. Enfin voilà, ce serait bien d'avoir un peu de retour de votre part, ça serait sympa. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais tout de suite recharger la partie. Et on se retrouve où on était. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de pas toucher la flamme. Tac, pour l'instant, on est bien. Bon, mon but, c'est vraiment de finir ce jeu. J'espère vraiment que je vais y parvenir. On va attendre que la petite chauve-souris soit passée. Tac. Bon, pour l'instant, je pense que je me suis trompée parce que pour un niveau... Un dernier niveau, je pense que pour l'instant c'est assez facile. On va faire une petite sauvegarde pour pas avoir à tout recommencer. Ok, il y a un passage en haut, on va aller voir où est-ce qu'il y a. Oh, j'ai loupé. Non, heureusement j'ai fait une sauvegarde. C'est ça quand je vais aller trop vite tout le temps. C'est mon plus gros défaut sur les jeux vidéo. Alors c'est une vie. Ok. Oh bah ok, bon je pense que je vais pas m'embêter avec hein, vu qu'il y a, comme vous savez, j'ai la sauvegarde. Je sais pas pourquoi j'irai m'embêter avec ça. Hop, elle est morte. Pff, le saut le plus simple au monde, j'arrive pas à le faire. Des fois ça me fait trop penser à des runs Fortnite. Des fois je suis là, je galère pour rien quoi. Tac. Hop, cette fois-ci, c'était la bonne. On continue. Je vais péter ça. Ouais, je vais tuer ça plutôt. Tac. À mon avis, là, il faut que je pète tout pour pouvoir passer. Il faut déjà encore y arriver. Bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Ah, voilà. Bon, est-ce que je passe comme ça? Non, je passe pas. Je ne passe pas. Donc il faut bien que je tape celle qui reste. Lui, c'est par ici. Non. C'est à pas, c'est par là. Ça y est. Je vais pouvoir passer. Bon, par contre, tout casser, c'est un peu chiant, hein. Bon là je vais pas tenter en bas parce que je pense que ça va être un ennemi. Je vais aller là directement. Ok, je crois que là j'ai pété trop de... Non, c'était celui du dessus que je voulais. Ok, maintenant je vais pouvoir aller en haut. Et il faut le libérer. Voilà. Alors, merci Alex, la pierre de lune se trouve dans le royaume de Nibana. Alors tu dois y arriver avant Jonquin le Grand. Une lettre signée à l'intention du royaume de Nibana est cachée quelque part dans ce château. Après l'avoir trouvée, prends-la avec toi. Ok, donc mon but maintenant, c'est de trouver une lettre. Ok. Bon, dès que je suis revenue sur mes pas, je vais faire une petite sauvegarde.
Et on va essayer de trouver cette lettre pour le royaume de Nibana. Ok, donc c'est le moment de sauvegarder. Pour de vrai, il y aurait eu... La sauvegarde aurait existé sur Sega à l'époque où je jouais à Alex Kidd. J'aurais jamais galéré à finir le jeu, quoi. Non! J'ai voulu aller trop vite, enfin j'ai glissé un petit peu. Parce que la sauvegarde, elle sauve la vie, parce que... Vous vous imaginez sans sauvegarde, ça veut dire qu'à chaque fois on devait recommencer de tout depuis le début. Je sais pas si quelqu'un. Enfin, à mon avis, il y a des joueurs qui sont réussis. Sans sauvegarde, bien sûr. Il y a toujours des joueurs. Est-ce que ce serait la lettre? À mon avis, je viens de récupérer la lettre. À mon avis, c'est sûr. On va attendre que les flammes soient passées et on va sauvegarder. On va d'abord descendre et sauvegarder. Ok, c'est le moment. On sauvegarde. Non! Je pensais pouvoir atterrir sur la petite, le petit bloc tout de suite. Mais non, on va se dépêcher. Hop, là-bas, l'autre côté, on peut pas y aller de toute façon. Ici, il faut se dépêcher. Vite! Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant. Ok, j'attends qu'elle revienne, enfin qu'elle repart. Je la suis en fait. Voilà, je la suis. Et pour là, il faudra faire pareil. Ok, ça va, pas trop dur pour le moment. Après, je sais pas si c'est un jeu dur. On va faire une petite sauvegarde. Parce que je suis arrivée au boss final du niveau. Alors, je suis tête de pierre, le troisième homme de main du roi. Je te laisserai passer si tu gagnes 3 parties. On connaît. Bon, c'était tête de pierre. Bon, je vais faire feuille. Ok, première partie. Est-ce que je reste sur feuille? Parce que bon, sur les précédents... boss, je me suis fait un petit peu arnaquer. Voilà, là ils viennent m'arnaquer. On va faire ciseaux. Pardon, excusez-moi. Ok, c'est bon, j'ai gagné. Alors, on dirait que c'est ainsi que cela devait se finir pendant ça. Ok. Il faut que sûrement que je tape sa tête, ok. Ok. Toucher une fois. Deux fois. Oh non! Non! Est-ce que j'ai encore une vie? Non, ça va me mettre un game over. Donc on recharge, mais sauf que j'ai oublié d'enregistrer après ça. Donc du coup, j'avais mis quoi? J'avais mis feuille. Je sais plus ce qu'il avait fait. Ok, faut que je mette feuille et ciseaux, je crois. Il avait fait... Ouais, il avait fait feuille après. Donc on va mettre ciseaux. Si je me rappelle bien. Donc du coup, je vais sauvegarder juste là. Sinon, je sauvegarderai juste après. Comme ça, pas besoin de se refaire le pire feuille ciseaux. Ok, c'est bon, j'ai gagné. Il va faire son blabla. On connaît. Hop, hop, hop. On enregistre. Parce que franchement, j'ai pas envie de tout recommencer. Ok, je l'ai touché une fois. Donc, juste avant, je l'avais touché deux fois. Donc là, deux fois. Et trois fois. Ok, trois coups pour battre ce boss. On fait une petite sauvegarde, comme d'habitude, à chaque niveau. Et c'est parti. Je ne connais pas du tout ce qui va suivre dans le jeu. On va tout découvrir ensemble. Bon, je prends ça, je prends pas la vie, j'ai ma sauvegarde, je garde mes crédits pour les bonus. Là que je passe. Ok. Déjà un boss. Ok, bon, c'est un niveau très court. Ah, excusez-moi, je suis un peu
enrhumé. Alors, je suis tête de ciseau. Ok, on va pas le lire, c'est toujours pareil, c'est juste le nom qui change. Donc, c'était tête de ciseau, donc on va faire pierre. Et j'ai pensé à la sauvegarde pour pas. Au cas où je perds. Tac, 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 hop. Ok, il a fait pierre. Je vais faire feuille au cas où il refait pierre. Je crois que je vais me faire troll par tête de ciseau. Fils de. On dira pas la suite. Je reste sur feuille. Non, je vais mettre pierre. S'il te plaît, tête de ciseau, fais ciseau. Pour l'instant, je suis mal barré. Ok, on est à égalité parfaite. Je reste sur pierre. Ah non. Je reste sur pierre. Pierre, je pense qu'il va faire ciseaux, j'espère. Ok. J'ai gagné. Ok, lui aussi, il va falloir le battre d'une manière spéciale. Donc, attendez, je fais une petite sauvegarde. Et on est parti. Ok, lui, il y a un truc là qui s'éjecte. Ok. Donc, on avait dit trois fois pour le battre. Non, je suis parti trop loin. On recharge la partie. Ok, une fois. On va l'attendre. Deux fois. Yes! Allez, let's go. On continue l'avancement du jeu. On fait une petite. Attendez. Je vais faire la sauvegarde juste après. Alors, j'allais recharger la sauvegarde d'avant. J'aurais été bien. À niveau avec l'hélicoptère. Donc, comme d'habitude, si je me prends quelque chose au-dessus, j'ai plus d'hélicoptère. Pour l'instant. Passe bien pour l'instant. Bon, j'essaie de passer au plus vite, hein. Je perds pas de temps. Plus je vais vite, plus je peux vous faire de plus je peux vous faire deux niveaux dans une seule vidéo. Oh, j'ai peur. C'est bon, j'ai paniqué pour rien. Ah, là, par contre, on le tue. Le niveau, il est terminé. Et on fait une petite sauvegarde. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Attendez. On va voir déjà ce qui se passe. Ok. Alors. Oh Alex, je suis désolée. On m'a dérobé la pierre de lune. Oh bah c'est ballot ça. La couronne se trouve au fond d'un lac. Tu ferais mieux de prendre cette tablette avec toi. Ok. La petite tablette. Et le petit hamburger pour nous faire passer le niveau. Donc je pense qu'on arrive à vraiment des niveaux intéressants. Petite sauvegarde pour ne pas oublier. Tac. Et voilà, c'est ici que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode d'Alex Kidd. Donc à mon avis, ce sera le quatrième, le prochain épisode, il me semble. Donc on se retrouve au quatrième épisode d'Alex Kidd. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement et activer la petite cloche pour les notifications, pour les lives et les vidéos. C'était Naïs, je vous remercie et je vous dis ciao!